For the first time in history, a great opera comes to a completely different kind of stage, the computer screen. Ring is a new adventure game adapted from Richard Wagner's legendary opera cycle, The Ring of the Nibelungen. The creators of Ring have come up with an entirely original universe, blending infinite stellar landscapes, cosmic rivers, accursed mines, and enchanted forests. Ring is the result of collaboration between creative forces from around the world. Charlotte Rampling and Senta Berger lent their voices for the role of Erda, the mysterious goddess, who accompanies the player as he faces four epic challenges. Wagner's music is present throughout the game and is none other than the legendary Decca recording of the Vienna Philharmonic Orchestra under the direction of the late Sir George Salty. Philippe Drouillet, the illustrator of albums such as Lone Sloan and Salambo, designed the game's monumental and visionary graphic environment. J'ai une longue histoire avec Richard Wagner, ça remonte aux années 70, et la première aventure a commencé en 72 avec un ami qui est toujours un ami aujourd'hui, qui s'appelle Humbert Camerlot, qui avait vu mes albums, et il m'avait contacté en disant, écoute, je viens de voir vos albums, je ne vous connais pas, vous êtes pour moi quelqu'un de très wagnérien, est-ce qu'on pourrait se voir pour monter un projet? On a failli monter la chose à l'Opéra de Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, l'affaire a capoté, et le Ring renaît aujourd'hui, avec M. Drouillet, qui est toujours là, présent, encore un peu visible. Et ça n'a pas perdu une ride, pas pris une année, une once de retard, ni dans l'évolution, ni dans la beauté des choses. Et cette œuvre reste puissante et on a ce vecteur qui est le CD-ROM qui maintenant le développe. Produced by Cryo Interactive Entertainment, Anne Carrière Multimedia and Arxel Tribe, Ring is revolutionary for its visual quality. The entire game universe is in 3D. Ring contains over 1.25 hours of full-screen animation. 30 game developers at Arxel Tribe worked on Ring for over 1 year. Some of Europe's very best writers, designers, graphic artists, and programmers. The techniques used to bring the 3D characters to life are among the industry's most innovative and feature a particularly fluid and dynamic interactive software engine, offering unprecedented immersion, both visual and emotional. The objective in Ring is no less than to reassemble the legend of the Ring of Power and to thereby free humanity from eternal oppression. Dans Wagner, il y a la notion du rêve, de la beauté graphique de l'image et de la musique. Et en même temps, on a scène là des vérités profondes. Alberic, on le sait, c'est le prolétariat, c'est des gens écrasés. Le pauvre Alberic, qu'est-ce qu'il veut? C'est être grand. Lui aussi a envie de rouler en Mercedes peut-être quelque part, ou d'avoir des grandes tables bien dressées, des jolies femmes autour de lui. Et Wotan est là avec son équipe, les dieux sont des gens parfaitement méprisables, enquistés, malades et autres. Et c'est tout à fait le reflet de la société contemporaine, et c'est tout à fait le reflet de la société humaine depuis des siècles. Oui, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ce qui est très intéressant dans le Ring, et c'est pour ça qu'on a voulu en faire un jeu d'aventure, c'est que justement c'est une histoire qui est tout le temps décrite comme universelle. Et le propre d'une histoire universelle, ce qui fait son succès, sa pérennité à travers les siècles, c'est que le Ring de Wagner nous parle de choses qui sont pour nous d'une totale actualité. C'est-à-dire qu'en fait l'histoire peut être transposée à n'importe quelle époque, à n'importe quel moment, au fond ça parle de quoi? Ça parle de la nature humaine. Il n'y a pas de problème de référence culturelle. On pense au Ring, on pense à la caricature, le casque à pointe, la Valkyrie, mais les scénographes qui s'attaquent au Ring n'ont jamais cette optique. Eux-mêmes, à l'opéra, font des versions totalement... Bon, il y a des versions 19e siècle qui sera plus centrées sur un univers bourgeois, des versions presque abstraites, des versions futuristes. Tout ça, ça existe déjà dans l'opéra. Et donc, en fait, il n'y a même pas cette question de problème du blasphème, parce que c'est l'opéra le demande. Pratiquement impossible de traiter, que ce soit à l'opéra ou pour nous, en jeu vidéo, le Ring, sans y apporter un fort input personnel. Je n'y vois pas trop notre intérêt. Enfin, je vais te dire, soyez réaliste. Il n'en est pas question. Je saurais vous faire changer d'avis. Le but qu'on s'est fixé, c'est de ne pas dénaturer cette histoire, de garder sa complexité, de garder les liens qui s'y tissent, la grande palette des relations humaines, mais de faire en sorte qu'il n'y ait aucune barrière d'approche
aucun frein entre le joueur et l'aventure qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire qu'en fait, pour parler clairement, les énigmes elles-mêmes ne sont pas très compliquées, mais il y en a beaucoup, et on se permet d'approcher énormément de thèmes, de toucher du doigt beaucoup de choses. Mais le gameplay est d'une simplicité absolue. Il vise des gamers comme des gens du plus grand public. La manipulation, la navigation est très très simple. Et en fait, ça nous permet, par cette simplicité qu'on s'est donnée comme mot d'ordre, de garder une ambition assez forte au niveau du contenu. Wagner n'était pas uniquement un musicien. Wagner était un metteur en scène. Wagner est un de ceux qui a inventé quelque part les futurs spectacles de l'an 2000. Wagner, pour moi, il a inventé l'IMAX et l'Omnimax, qui sont les géodes dans le monde entier et les écrans géants. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui aurait plongé dans les nouvelles technologies comme c'est pas permis. Alors je fais pas ça pour être le brillant à la télévision ou pour faire le mariole. Je le pense sincèrement, parce que quand on lit vraiment son travail, quand on analyse bien, c'est un homme qui était branché sur le futur d'une façon absolument incroyable. Donc s'il était là, on peut faire peut-être tourner la table. Je suis sûr que les deux coups pour oui vont frapper. Boum. The player must step into the shoes of four main characters as part of a non-linear adventure. Ring is published by Cryo Interactive Entertainment, the company behind international successes, including Egypt, Tomb of the Pharaoh, Versailles, 1685, and Atlantis.